Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de grammaire intitulée « La phrase affirmative et la phrase négative ». Prenez-vous manuel, page 73. Avant de commencer, quel est le contraire de « toujours » et quel est le contraire de « encore » Le contraire de « toujours » c'est jamais. Le contraire de encore, plus. J'observe et j'élabore. Bomba frappait sur son tam-tam. Les villageois l'écoutaient toujours. Bomba annonçait quelque chose. Les villageois l'écoutaient encore. Dis le contraire de ces phrases en insistant sur le mot souligné. Bomba, frapper, son tam-tam. Le contraire, Bomba ne frappait pas sur son tam-tam. Bomba ne frappait pas sur son tam-tam. Les villageois l'écoutaient toujours. Les villageois ne l'écoutaient jamais. Les villageois ne l'écoutez jamais. Bomba annonçait quelque chose. Bomba n'annonçait rien. Bomba n'annonçait rien. Les villageois l'écoutaient encore. Les villageois ne l'écoutaient plus. Je retiens. La phrase peut avoir deux formes différentes. Une forme affirmative, par exemple, le crieur de quota donne des informations. Une forme négative, par exemple, les gens ne savaient pas qu'il y avait un coiffeur. Dans une phrase négative, le verbe est encadré par deux mots de négation. Il existe plusieurs mots de négation. Forme affirmative, forme négative. Le crieur parle à la forme négative. Le crieur ne parle pas. Le crieur parle toujours. Le crieur ne parle jamais. Le crieur parle encore à la forme négative. Le crieur ne parle plus. Le crieur dit quelque chose. Le crieur ne dit rien. Le crieur parle à quelqu'un. Le crieur ne parle à personne. Le crieur a un tambour. Le crieur n'a aucun tambour. Je m'entraîne. Exercice numéro 1. Fais des réponses négatives. Est-ce que les PC vendent des médicaments?
La réponse, les piscines ne vont pas de médicaments. Les piscines ne vont pas de médicaments. Question numéro 2. Est-ce que l'instituteur travaille parfois le dimanche? L'instituteur ne travaille jamais le dimanche. L'instituteur ne travaille jamais le dimanche. Question numéro 3. Est-ce que l'Égypte est encore dirigée par un pharaon? La réponse, l'Égypte n'est plus dirigée par un pharaon. N'est plus dirigée par un pharaon. Question numéro 4. Est-ce que le professeur néglige des élèves? Le professeur ne néglige personne. Le professeur ne néglige personne. Personne. Exercice numéro 2. Complète les phrases avec la négation qui convient. Au marché, un client s'adresse à un poissonnier. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vend des requins sur ce marché? Des requins? Non, il n'y a personne qui vend des requins. Il n'y a personne. Qui vont des requins. Et vous, vous avez de l'espadon ou du marlin, des gros poissons comme ça? Non, désolé, je n'ai rien de ce que vous cherchez. Je n'ai rien de ce que vous cherchez. Mais on en trouve parfois? Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'en n'en ai jamais vu. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais acheter des poulets. Mes chers élèves, fin de séance et à la prochaine, Inch'Allah.